Et voilà, chers amis, une autre vidéo de la pensée du jour. All right. OK, bien, aujourd'hui, c'est quelque chose de spécial quand même. Il m'est arrivé quelque chose de spécial. Je suis allé à l'épicerie, m'acheter des aliments qui me manquaient. Puis, j'ai tout acheté. Puis, en sortant de l'épicerie, tout près de la porte, j'ai vu un attroupement d'une dizaine de personnes. Et puis, je me demandais qu'est-ce qui se passait, des questions qui... Puis là, finalement, quelques secondes après, j'ai vu une madame d'une cinquantaine d'années environ, allongée à terre, elle ne bougeait plus, elle avait le visage comme mauve, on voyait ses yeux étaient hagards, on voyait beaucoup, beaucoup d'anxiété dans son visage. Elle ne bougeait plus, on ne sait pas si elle était consciente ou pas, mais ça devrait. Mais elle avait comme la peur dans son visage, OK? Et puis, ben là, j'ai dit, peut-être qu'elle est en train de mourir. C'est ça que j'ai pensé, puis tout le monde pensait ça, je crois. Puis il y avait quelqu'un à côté d'elle qui en prenait soin, deux messieurs. Puis il faisait très chaud dehors, et puis puis le soleil plombait sur elle aussi en plus. Quelqu'un amenait un parapluie pour la protéger. En tout cas, puis là, ça restait de même, puis elle bougeait pas, elle avait les mains à chaque côté de son corps, qui ne bougeait pas. Les gens, le monsieur, il disait, il touchait ses mains, il dit, si vous m'entendez, ben bougez votre main. Mais il y avait aucune réaction de sa part. Et puis, en tout cas, c'était comme je disais, la peur était vraiment inscrite dans son visage. Elle avait, ça se voyait qu'elle était, en tout cas, je me souviens de son visage, mais c'est difficile à décrire. OK, puis, en tout cas, finalement, bien, ça a duré peut-être une dizaine de minutes comme ça. Ils ont appelé l'ambulance, et puis, ça a pris un petit peu de temps avant que l'ambulance arrive. Et puis, en tout cas, tranquillement, elle est comme revenue tranquillement, elle a communiqué un petit peu avec les messieurs qui prenaient soin d'elle. Mais puis finalement, bien, elle bougeait un petit plus, elle s'est comme réveillée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pensait dans elle-même, mais c'est sorti encore une fois que l'anxiété était écrite dans son visage. En fait, tout ça pour dire qu'on ne sait jamais ce qui arrive dans ce monde. C'est certain qu'elle ne s'entendait pas à ça, pour me dire. C'est peut-être une crise d'épilepsie, je ne sais pas, aucune idée. Mais comme je dis, bien, c'est comme je pensais qu'elle était en train de mourir, la madame. Fait que, ça, ces choses-là, elles arrivent dans ce monde ici. C'est comme, moi, je voyais, comme Krishna en arrière de tout ça, que la madame est tombée dans le monde matériel. Puis là, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses, des situations intolérables qu'on ne connaît pas dans le monde spirituel. On était envoyé dans ce monde ici, mais dans ce monde ici, bon, il y a beaucoup d'anxiété qui se crée en nous. C'est ça. Fait que, là, finalement, l'ambulance est arrivée, les pompiers avant, il y a toujours les pompiers qui viennent au début, parce que l'ambulance est arrivée, ils ont mis la madame sur un... Et, finalement, la madame, elle s'est mis le dos contre le mur, elle parlait un petit peu, puis ils l'ont mis sur une civière, puis ils l'ont amenée à l'hôpital, c'est sûr. Mais c'est ça, fait qu'on est venu dans ce monde ici, parce qu'on voulait être indépendant de Krishna, on voulait pas de maître. Il nous a envoyé dans ce monde ici, mais encore une fois, bien, ce monde ici n'est pas un endroit vraiment confortable. Comme notre madame était là, ça peut nous arriver à nous autres aussi, on ne sait pas, mais la mort va nous arriver un jour, c'est certain. On ne sait vraiment, vraiment pas comment elle va arriver. On ne sait pas d'avance, OK? Moi, j'ai 76 ans, je m'attends de la mort, je ne sais pas quand, mais c'est sûr que j'ai peur, c'est certain. Mais parce que le chant de Hare Krishna, ça enlève l'anxiété, OK? Si je serais un pur dévot, la mort ne m'effraierait pas. Déjà, quelqu'un a demandé à Prabhupada si Prabhupada avait peur de la mort, il a répondu non, il n'avait pas peur de la mort, ça ne le dérangeait pas. C'est que, encore une fois, bien, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive dans ce monde, qu'est-ce qui nous arrive. Comme hier, je parlais, il y a un danger à chaque pas, mais il y a toujours une histoire à chaque pas, à chaque moment. C'est que, là, c'est ça, c'est que,
C'est ça. La petite madame est partie, mais remise. C'est parti remise. C'est parti remise. Si elle n'a pas. Ma, si elle avait mouru. Si, si on. Dire, si, on si, elle était, si elle devait mourir là, bien, en fait, c'est reporté. C'est reporté. La mort va revenir un autre jour. Mais c'est certain qu'elle va partir. Puis ça va. La mort, ça, au moment, quand ça arrive, il y a beaucoup d'anxiété. Qui est dans le mental. On est tout seul, on est tout seul. Même s'il y avait plein de monde alentour de nous, on est tout seul face à la mort. Face à la mort, OK? En fait, mais les niveaux, quand on a un ami qui va mourir, qui doit laisser son corps prochainement, bien, les niveaux se mettent près de lui, ils chantent Hare Krishna. Ils chantent Hare Krishna le plus longtemps possible. Si la mort ne vient pas dans quelques semaines, il va toujours avoir quelques dévots à côté de lui qui vont toujours chanter Hare Krishna, OK? Ça libère de l'anxiété, ça nous libère de l'anxiété. Et puis, eh bien, c'est ça aide beaucoup à mourir. Parce que quand on va mourir et qu'on pense à Krishna, on retourne dans le monde spirituel. C'est fini. On n'aurait plus à faire face à aucun problème de ce monde matériel. On retourne dans un monde libre de toute anxiété, libre de tout problème matériel. Il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de vieillesse, puis il n'y a plus de mort. Hein? Il n'y a plus de misère causée par les antiques ventes, misère causée par la nature matérielle, puis les misères causées par le corps et le mental. Fait que c'est ça, on est sur le chemin. Papa de nous aider. Ben, nous, maintenant, c'est à nous de prendre le guide, de prendre les instructions de Srila Prabhupada et de retourner dans le monde spirituel une fois pour toutes. Hare Krishna et à la prochaine pensée du jour. Hare Krishna. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.